Comme je leur demande, je vous remercie d'abord pour votre présence. Je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui à Marseille rendre hommage à Zineb. Ils ne veulent pas l'oubli, ils nous soutiennent dans notre grande douleur et dans notre recherche de vérité et justice. Je remercie toutes les personnes en France et ailleurs qui attachent le nom de notre mère à leur revendication de vérité et de justice pour les victimes innocentes. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous soutenir et rendre hommage à la mémoire de notre maman. Et nous sommes très reconnaissants et émus de votre solidarité. Mais aujourd'hui, comme tous les jours, on va rentrer à la maison et se coucher avec la même douleur depuis 3 mois. Elle me manque. Ces citations, ces proverbes, ils sont pour moi des principes de vie. Le 1er décembre, j'étais avec elle par téléphone, toute la journée. Entre 18h et 19h, elle me téléphonait chaque 5 minutes. J'étais avec elle un peu avant 19h, elle voulait fermer la fenêtre pour se protéger du gaz. Elle m'a dit « Attends, ne coupe pas ». Et d'un coup, j'entends ces cris, des cris qui resteront gravés dans mes oreilles et ma mémoire. Une grenade lui a explosé en plein visage. À 18h57, on trouve le nom de Zineb Redouane dans une enquête judiciaire. On peut voir son visage sur des banderoles, mais pour nous, Zineb Redouane, c'est l'histoire de toute notre vie. Nous voulons donc lui rendre hommage juste pour dire on n'oublie pas, on n'abandonne pas, on ne lâche pas. Vérité, justice et dignité, c'est notre objectif. Merci. J'entends la dame, ma voisine Zineb en train de frapper avec ses pieds. Et elle m'a dit au secours, aide-moi Nadia, aide-moi. Quand je suis montée au 4e étage, je trouve là ma voisine, la gentille, la belle femme, trempée de sang, son visage, déprimée avec la bombe crémogène. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, elle m'a dit, j'étais à la fenêtre pour fermer. Et il avait un agent de police en face de CA. Elle répète et elle répète plusieurs fois, il m'a visé en face de ma fenêtre. Et elle parlait aux gens, à la police, aux pompiers, l'infirmier. J'étais juste pour fermer la fenêtre. Regardez qu'est-ce que j'ai eu. Regardez.